Je me suis noyé dans sa dos. Ok. Et regarde, et là, t'es dans l'orbite. Énorme. Je suis dans quoi? Dans l'orbite. T'es le pire. Oui, tiens, j'en chef. Mais étouffe-toi, mec. Oui, voilà, tu vois, par exemple, Essandre, en fait, moi, ça sert à rien de m'engueuler. En fait, le truc, c'est que si j'en fais tous les jours, je vais devenir pianiste. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est juste que j'essaie de pas en faire trop pour pas que les gens se disent, bon, en fait, Juice, enfin voilà, ça sert à rien, il est trop fort. Y a pas de problème, hein. pas de rageux, pas besoin de conservatoire. Tu sais pas jouer, Jack? Diamant. Merde, j'ai pas vu s'il y avait d'autres temps, quoi. Au secours! Il m'a pas vu. Hello there. C'est trop fort, je peux... Mais putain, en plus c'est de l'autre côté qui m'a... Bah oui. Enfin, mon professeur principal au lycée m'appelait la plante verte. En gros, pour vous résumer mes heures de cours, je retournais mes feuilles de copie et je faisais des overviews de Counter-Strike, des maps, parce que dans ma classe, il y avait ma team, et du coup, je faisais le lead. Toutes les HLTV que je regardais au matin, boum, je les projetais derrière mes contrôles ou mes feuilles de leçons, et boum, je refaisais les maps, et je le faisais passer dans la classe en mode « Hey, regarde, on fera ça ce soir ». Les profs n'en pouvaient plus parce que je me faisais coller quasiment tous les jours. J'étais vraiment un débilos. On avait trois profs principaux, en gros. Et je m'entendais très bien avec un des profs. C'est le prof, vous savez, quand il avait des problèmes sur World of Warcraft, il m'appelait. Il avait des problèmes de quête, il me faisait « Juice, en plein contrôle. Juice, tu peux venir 2 minutes ?» Je me levais, j'allais derrière lui, il me fait « Cette quête-là, j'arrive pas à la faire, il faut faire quoi ?» Et j'étais en mode « Bah, c'est simple, regardez, qu'est-ce que ça vous dit, votre quête-là » Maltaire de l'Est. Ok, Maltaire de l'Est. Donc là, vous devez aller dans la zone sud. T'es en mode « Ah ouais, putain, ok, d'accord. » Il fait « Mais ma classe est chiante, il jouait mage. » Je fais « Oui, mais c'est normal, vous avez pas beaucoup d'endurance. Il va falloir prendre un petit peu de stuff. » Donc en gros, c'est... Mais c'était son premier perso, il jouait avec son fils, quand, bah, du coup le soir, et du coup quand il avait des quêtes où il comprenait pas, où il fallait ramener plein de trucs et tout, il me demandait en classe. Et du coup en plein contrôle, entre guillemets, j'allais l'aider, et moi je lui disais au fait l'exercice 2 là, il faut faire quoi? Il était en mode tu te fous de ma gueule? Et j'étais en mode ça va aussi, et il fait pas te rasseoir, il met des zéros. J'étais en mode, à la fin des cours, j'étais en mode, vas-y, c'est bon aussi. Enfin bref, et du coup, pour en venir au fait que mes profs étaient FF, le proviseur du lycée rentre dans notre classe pour dire en gros, vous êtes des gros cons, vous êtes la pire classe qu'on ait jamais eue parce que en fait, on prenait des caddies à Carrefour et en fait, on faisait des auto-tamponneuses dans le lycée. On était une classe de mecs en électro, les amis, c'était. Enfin voilà, c'était. Voilà, hein. On n'était pas des gens qui envoyaient des satellites sur Mars. Hein. Le proviseur arrive dans la classe. Bref, il commence à nous faire un vieux speech de mais je me lève pas, parce que je suis un con. Le prof de maths commence encore à me sécher, du coup je continue à pas me lever. Le proviseur pète un plomb et il dit « Monsieur Soriano, je vais vous renvoyer de ce lycée. » J'étais en mode « What the fuck ?» Alors, j'ai jamais eu confirmation, mais je peux vous dire que le proviseur a envoyé la mauvaise personne. Parce que j'ai jamais été renvoyé du lycée. J'accélère en rétrograde. J'ai juste posé une garnison pour les copains, mais j'arrive. C'est... Les Allemands... Les Allemands ont envoyé Peach. Boubouille. Tiens, tu es un mec avec un Panzerfaust. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Versuch mal,
Qu'est-ce que c'est un jeu de mort là? Au revoir. Un peu d'huile. Quoi de cette âge? Reconnaître de loin, tu as les symboles. Refaites pas ça chez vous, hein. Je suis un professionnel personnellement. Il y a eu quelques esquives assez insane là en fait. Je prends le rocher. C'est un B9 avec un gars, je vais te voir. Oh, c'était magnifique! Putain, ça a même grisillé du micro, mais je m'en fous, c'était magnifique ce que j'ai fait. Ok. Ouais, j'essaie de voir les mètres secondes avec les mètres qui me restent pour essayer de bien venir me poser. Houston, we have a problem. Ah, c'est trop dommage en vrai. Je pense que si c'était plat, on aurait réussi. La platitude, c'est dans la tête. Bah, pas vraiment là, du coup. Vu le nombre qu'ils étaient. Oh! À l'extérieur, hein? Un deuxième mort. Oh vraiment, 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 vraiment. What the fuck? Mais c'est quoi cette game? Regardez cette game, qu'est-ce que c'est? Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Rien fait de la partie? Moi j'ai rien fait de la partie? En vrai, je mérite de fou, non? Donc les amis, merci de continuer à soutenir Aljouz TV. N'hésitez pas à follow la chaîne, hein. Et bien entendu, les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram et YouTube pour le contenu gratuit. Je compte sur vous, les amis. De gros bisous. Et puis voilà, ciao.